Certaines personnes avec autisme ont un langage verbal, mais il va être particulier. Elles vont utiliser le tu au lieu du je. Elles vont avoir un langage qui est très répétitif, répéter les messages de la météo, répéter les messages publicitaires, mais avoir beaucoup moins d'intérêt à échanger, à converser. Mais pourtant, elles parlent, elles ont un langage. C'est la communication qui est atteinte. Oh, oh oui, c'est vrai. Bon appétit et à ce soir. Merci pour la météo. Bonjour. Ça a été ? Ça a été ? T'as plus ramassé de billes ? Non. Non ? Montre un peu notre poche. T'as plus ramassé de billes ? Non. Non, mais c'est chouette. Tu pourras dire à Arnaud alors que tu n'as plus ramassé de billes. Oui. D'accord. Tu vas mettre ton manteau pour manteau. Eigenlijk ogen wij 500 keer op een dag hetzelfde verhaaltje. Van, en dat is al... Ja, dat is, like vanmorgen deed ik hem een hemd aan met knopen. En dan is datzelfde verhaaltje. Knopen, knopen toe, knopen open. En dan moeten wij daar ook steeds hetzelfde op reageren. Want anders gaat het verhaaltje haalt hij nog meer. Want wij zijn niet voorspelbaar op dat moment. Wij moeten vertellen wat hij in zijn hoofd klaarzitten heeft. En zo kan hij... Ja, 100 keer op een dag hetzelfde verhaaltje vertellen. Je vais. On peut aller. On peut, oui. Pas vas-tu? Pas vas-tu? Je vais. On a utilisé ce système-là pour qu'il téléphone à ses grands-parents. Et à l'aide de cet appareil, il scanne sur une fiche pour demander s'ils peuvent venir, s'ils peuvent loger, quand est-ce qu'ils peuvent arriver. Et donc là encore, tout ce système de code barre. Peut-on venir à ma maison? Peut-on venir? Allô? Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour mamie. Quelle nouvelle? Ça va aller? Ça va? Papa? Oui. Bonjour, c'est Pierre. C'est Pierre. C'est Pierre, oui. Je t'écoute. Peut-on venir à ma Asie? Oui. Peut-on venir? Dames en heren, dit is mijn hoofdopvoedster Christel. Zij is gewoon, zij heeft deze werk opgestart. Zij is er een jaar voor in Amerika gaan studeren, in Californië. En daardoor wil ze dat bedrijf op te starten voor de autisten te helpen. Zodat de psychiatrische instellingen niet overbevolkt geraken. La jeune et jolie sirène Ariel, fille du puissant dieu des mers, rêve de connaître le monde des humains, bien que son père le lui interdise. Ariel, trop attirée par le mystère de la civilisation. Ce chef-d'œuvre de Disney restera une merveilleuse cinématographique pendant des générations. Merci, merci beaucoup, merci pour la petite sirène.